puis on peut apercevoir une zone délimitée par les gendarmes présents sur place. Pas encore de police scientifique visiblement sur ce que l'on peut voir à l'intérieur de ce bus pour effectuer des relevés. C'est les images de David Couloum avec la perspective, la caméra efface justement, atténue cette perspective. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une région assez vallonnée ici au milieu des vignobles. Le conducteur du car n'a rien pu faire. Il aurait tenté de contourner le camion. C'est alors que le réservoir d'essence aurait pu exploser, ce qui explique cet embrasement généralisé et ce bilan. Et voilà des images au plus près de l'accident. Voyez ce qu'il reste du car pris sur image filmée sur le bas-côté hein, de la route. Il ne reste plus rien, sinon la carcasse du car.